Bon, on était au salon de Clermont et là on vient juste de rentrer, on vient juste de manger des bonnes pizzas avec les deux loustiques et Morgan et Pierre-Vincent. Donc c'était super d'ailleurs de vous rencontrer au salon. Je suppose qu'on certains on s'est loupé malheureusement, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, le salon s'est super bien passé pour nous, de belles rencontres, plein de projets pour 2018. Ouais. Donc, on est chaud patate, on est super, ouais, on est à fond. Et là, c'est l'occasion de faire une petite FAQ. Ouais. FAQ le time. Moment FAQ. Foire aux questions, donc c'est parti. Toutes les questions que vous nous avez posées dans une certaine vidéo. Alors, quel serait votre rêve de pêche? Par exemple, voyage ou type de pêche à découvrir, une rencontre? Du coup, c'est question difficile quand même, mais rêve de pêche, moi comme vous l'avez peut-être vu, j'aime beaucoup le Japon. Donc ouais, si j'avais un rêve de pêche, et je pense que c'est un rêve réalisable, que j'ai envie de réaliser bientôt, c'est de pêcher au Japon tout simplement, partager avec les Japonais, échanger avec eux et pêcher le black bass et pêcher les truites au Japon, les yamame. Dans des super paysages, dans des superbes rivières, vraiment pêcher le black bass et la yamame avec les Japonais. Voilà, c'est mon rêve de pêche. Beau programme. Toi, Louis? Et ben moi, si je devais parler de voyage aussi, ce serait sûrement les US. Ouais. Ça m'attire parce que on voit partout la pêche états-unienne qui est quand même particulière. États-unienne. La pêche des États-Unis. la pêche aux US qui est quand même particulière et qui est un peu une institution. Donc aller taquiner les basses aussi là-bas, moi ça me plairait bien. Et puis les carpes, parce que je suis quand même carpiste. Ouais. Hein, voilà. Et puis si je pouvais évoquer un deuxième rêve aussi, ce serait sans doute celui de pêcher avec mon grand-père, celui qui m'a fait un peu découvrir la pêche, qui était un peu le pêcheur de ma famille. Voilà, je suis allé sur les berges avec lui, mais j'ai jamais eu l'occasion de partager vraiment une session avec lui. Donc, ça c'est un vrai rêve. Ouais. Ça serait, voilà. Super, ça serait beau. Florian. Moi pareil, voyager, pour moi c'est un peu comme ça que je conçois la pêche, quoi. C'est-à-dire de l'aventure, du voyage, voir des choses, vivre des belles aventures. Donc évidemment le voyage, que ça soit en France ou à l'étranger, moi je suis persuadé qu'en France il y a des super trucs à faire. Et puis à l'étranger, typiquement de partout, j'aimerais aller de partout, mais particulièrement les US, le Japon et peut-être une pêche un peu, j'allais dire exotique, mais l'Amazonie par exemple pour les peacock bass ou en Floride. Le peacock bass, je trouve que c'est un poisson magnifique qui peut avoir des couleurs, en plus des robes différentes, des individus qui sont au même endroit, ils ont des robes différentes. Du coup, poisson que j'aimerais beaucoup pêcher, peacock bass, quoi. Voilà. Donc, c'est des beaux rêves. On compte sur vous, les abonnés. Hein, <C'est pour> les... quand est-ce que tu vas chez le coiffeur Florian? Alors, la question, elle est revenue plein de fois. C'était un truc de fou. Au début, c'était moi, il y a longtemps. Au début, c'était toi. Dites-nous ce que c'est votre relation avec les cheveux, là. On comprend pas trop, là. En fait, on a tous des mèches, un peu, des trucs qui partent dans tous les sens. Donc voilà, on s'est dit, on va renommer la chaîne en fait en Fiche R, salon de coiffure. Je pense que ça a l'air de vous plaire en tout cas, donc je pense qu'il y a des trucs à faire. N'hésitez pas à nous soumettre des idées de tutos, coiffure. Tuto coiffure, on est chaud pour. On est chaud patate pour ça. Donc pour répondre à la question, ça arrivera pas. pas tout de suite. Et puis en fait, moi je suis du genre à péter un peu un câble et à me raser la tête du jour au lendemain. Donc préparez-vous, ça va venir peut-être un de ces. Regardez bien les vidéos fichières à chaque fois. Soyez assidus, il y a bien un moment, Florian il va passer en mode nouveau-né. c'est ça. Duo Ryuki ou Décontact? Louis. Eh ben moi j'ai pas trop d'idées parce que j'utilise pas trop ces leurs là, mais je vais laisser les experts s'exprimer. Les experts. Moi j'aime bien le duo Ryuki. Mais les deux sont très bien, ils sont pas du tout pareils, ça c'est du coup difficile de les mettre en duel un petit peu, ils ont des utilisations assez différentes. Le décontact pêche plus creux selon moi. Et le duo Ryuki, il est bruiteur par exemple, alors que le décontact l'est pas. Mais j'aime bien le duo Ryuki pour son look, ses coloris et pour le fait qu'il soit bruiteur et facile à animer aussi, je trouve. Donc voilà, duo Ryuki pour moi. Alors moi c'est difficile, je dirais dans l'absolu le décontact parce que je le trouve peut-être plus intéressant, plus complexe et je pense qu'on peut faire des super choses avec le décontact, mais j'ai du mal à le maîtriser honnêtement. Okay. Et le duo Ryuki, je tenterai aussi de répondre.
parce que j'arrive à l'utiliser beaucoup plus facilement et je fais sûrement plus de poissons avec. Et il est assez instinctif et facile à utiliser, donc ouais, c'est difficile. Je dirais dans l'absolu le décontact. Ok. Comment avez-vous attrapé le virus de la pêche? Je dirais bien toi. Question difficile. Bah regarde, il a le virus d'ailleurs, il tousse. Ah ouais, le virus de la pêche. En fait, quand j'étais tout petit, je l'avais raconté dans la première FAQ. J'allais chez ma grand-mère quand j'étais tout petit, peut-être 7 ans, 8 ans. Et puis on n'avait pas grand-chose à faire, c'était à la campagne et tout ce qu'on avait, je c'était des violons. Tout ce qu'on avait, c'était une canne à coups à 5 euros quoi. Et une ligne toute faite avec un bouchon 3-4 plombs. Et on achetait une boîte d'asticots. Et en fait, on allait devant chez ma grand-mère. Il y avait une petite rivière. Et puis, on pêchait les gardons, tout ce qu'il y avait dedans. Et puis un jour, j'étais allé dans un lac. Et c'est tout bête hein, comme histoire. Vraiment, c'est pas du tout exceptionnel. Et ben, j'avais pêché dans un lac au cou. Et j'avais pris des perches. J'avais pris des perches, ça tabassait plus hein, déjà que les gardons et tout, t'étais là avec ton petit bouchon, la sensation du bouchon qui plonge ouais. Et que tu fermes déjà, c'était vraiment une vraie sensation, ouais, c'est vrai. J'adorais ça. Et j'avais pris des perches et j'avais trouvé ça magnifique. Et puis quand j'allais pas chez ma grand-mère, je pêchais pas du tout. Et puis après, des années et des années plus tard, je dirais plus 12 ans plus tard, même... voire beaucoup plus ouais. Parce que je pêche pas depuis tant longtemps que ça et ben je me suis dit remémoré ça, je me disais putain mais j'adorais ça quand j'étais petit, cette sensation et tout. Excellent. Et je me suis acheté un tout petit peu de matériel, ben, j'étais complètement débutant et je me suis remis à la pêche du carnassier vraiment en découvrant de zéro quoi, vraiment avec aucune notion, aucune information. Et c'était cette envie d'aventure, de paysage, d'immersion, de calme, nature, de calme, d'action en même temps, okay, et se ressourcer. Cool. Voilà. Et toi, Louis, toi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu pêches. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Clairement, c'est le plus spécialiste. Clairement, ouais, Louis, je pense que c'est l'ex. Mais en fait, j'ai jamais trop décroché parce que j'ai toujours eu dans mon entourage des gens qui pêchaient. À commencer par mon père, donc quand j'étais tout petit, quand j'habitais en Bretagne, donc sur les canaux bretons, je pêchais avec lui, je le suivais en fait sur les sessions au Carna, au leurre. Okay, ouais. Et donc ça me branchait vachement, j'étais vachement curieux, donc c'était top. Et puis petit à petit, mon père s'est un petit peu lassé de la pêche, et moi j'ai continué en pêchant au cou, tout simplement, comme Jérémy, tu disais, avec une simple canne télescopique et des lignes toutes faites. Et puis petit à petit à chercher un peu la technique, alors je me suis mis à pêcher au cou à la grande canne avec des techniques d'amorçage qui me plaisaient, j'aimais bien perfectionner un petit peu tout ça. Et puis j'ai arrivé sur des poissons de plus en plus gros entre guillemets, le hasard faisait que je prenais des brèmes puis des tanches et puis des carpes. Et là j'ai eu le virus de la carpe, okay, après ma première carpe. Ouais, et ben c'est par amour d'un poisson plus gros avec okay, plus ouais, de sensations et donc un nouvel univers quoi. J'ai vachement adhéré à la carpe ben, depuis que j'ai 10 ans en fait, donc ça fait 10 ans maintenant que à peu près que okay, je pêche la carpe. C'est fou, et puis de plus en plus je me remets au carnassier et à la truite, donc au leurre toujours ben, comme quand j'étais tout petit ouais, avec mon père à mes tout débuts quoi, donc c'est très sympa ce panel de pêche différente me plaît beaucoup. Excellent. Tiens, une question sympa, j'aimerais connaître ou en savoir un peu plus sur le groupe de musique de Jérémia. Bah cool, c'est sympa, ouais. J'en avais vite fait parler dans la vidéo au Japon parce que j'avais fait une tournée avec mon groupe du coup au Japon. Et bah du coup le groupe c'est Hawkman, c'est un trio et on fait un style rock alternatif pop punk. Donc si vous êtes curieux, bah par exemple, je viens de sortir un clip sur la tournée au Japon. Ouais. Donc un clip, oh, on mettra voilà, ça dans la description d'ailleurs. Lien. Si vous êtes curieux, vous pouvez l'écouter, ça vous plaît sur mieux. Puis ça... pas tant pis. Et voilà, donc c'est un groupe, on essaye de se développer. On fait des tournées, on est content, on est allé en Angleterre, en Écosse et puis après au Japon, donc on est super génial, content, ça se développe. Je me donne à fond dedans et puis voilà, si vous êtes curieux, allez écouter. De toute façon, c'est de la musique, donc c'est fait pour être écouté. Donc allez, il y a un premier EP qui est sorti, qui s'appelle Waterscape, et puis si vous voulez aller écouter les 4 morceaux de ce CD, allez-y, n'hésitez pas, ça me ferait grandement plaisir.
C'est clair. Et coucou, la question est super sympa. Et merci. Coucou à Jessie et Marine, voilà, qui sont Jessie dans le groupe. Marine qui sont dans le groupe avec moi. Un voilà. Bon petit groupe bien cool. Donc ouais, je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Ils font bien les choses, quoi. Non, c'est merci. Ça qui est cool. Ils se donnent les moyens. Un petit commentaire quand même que je tiens à souligner. Super la coupe. La coupe de cheveux du la coup. La coupe de cheveux, ouais. Ouais. On sait pas laquelle, mais j'espère que c'est la. Bah ça doit être la mienne, c'était sur la vidéo. Bah merci beaucoup. Enfin un amateur de ma coupe de cheveux et je vais la garder. Un bah. Amateur de cheveux. T'inquiète. Enfin. Allez vous faire des vidéos de pêche à la mouche et juste en dessous, à quand le retour de la mouche? Et ben franchement c'est. J'aimerais beaucoup. C'est vrai qu'on s'est beaucoup spécialisé au leurre parce que c'est dur de. Ouais, d'aller sur toutes les techniques plans, hein. Et de progresser du coup sur plusieurs techniques à la fois. Donc la mouche carrément, j'aimerais bien y revenir particulièrement. Cette saison, je sais pas, mais dans les prochaines saisons. Dans les 10 années à venir. Pour donner une fourchette large. Pensez-vous faire de la compétition? T'as déjà fait de la compète toi? Moi j'ai déjà fait de la compète ouais à la carpe. J'en ai fait sur deux, on va dire 3 ans. Ah ouais quand même. Mais j'ai arrêté maintenant. Et pourquoi tiens? Mais parce que j'avais envie de découvrir la compétition. J'ai découvert ce que c'était, ça m'a vachement plu. Et ça m'a notamment aidé à découvrir des techniques que j'aurais pas connues si j'avais pas fait de compétition. C'était un super moment de pêche quoi. J'ai beaucoup aimé mais pour autant voilà j'ai fait le tour quoi. Je sais pas si j'ai fait le tour mais en tout cas j'ai découvert ce que je voulais y découvrir et t'as été rassasié quoi. Voilà et je profite plus de la pêche en elle-même maintenant sans penser à de la compétition. Ouais je vois ce que tu veux dire. Alors moi typiquement en fait j'ai du mal à concevoir la compétition dans la pêche. C'est vrai que ça pour moi c'est un peu bizarre. Il y a quelques années de ça j'étais vraiment réfractaire à ça. Et par contre j'aimerais bien essayer justement pour me dire, pour me tromper dans mes a priori un petit peu. Même si je sais qu'il vaut mieux pas avoir d'a priori dans quoi que ce soit. Mais ouais je conçois pas trop la compétition dans la pêche tu vois. Je trouve ça délicat quand même. La pêche pour moi c'est un peu... je considère pas ça comme un sport, tu vois, c'est... Il y a une part de hasard... Ouais, il y a... Même, c'est... En fait, pour moi, la pêche, c'est pas quelque chose où tu devrais te mesurer aux autres, voilà, quoi. C'est un truc un peu contre toi, quoi. Plutôt partagé... Contre toi, un petit peu, donc t'as envie d'aller plus loin, et de partage, par contre, avec les autres. Donc voilà. Mais pourquoi mais pas tester... Mais la compétition, c'est aussi du partage. Hein, je connais pas. On apprend beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ah, j'imagine, en fait, ouais, ça doit être... Et ça, je suis très content d'avoir eu cette expérience parce que franchement, ça m'a appris beaucoup. Non, mais t'inquiète, on t'en veut pas. On t'en veut pas d'être carpiste. Pour vous, une bonne canne est-elle une canne chère? C'est dur ça quand même. C'est super dur. Clairement, non. Voilà, parce que moi, je. Ah oui, t'as... J'adore des cannes que j'ai, des Caperland, des Wixom et l'Action ULRKF, pour ceux qui veulent la référence précise. Et j'adore ces cannes. Et effectivement, bah, là, y a des cannes qui sont très haut de gamme, donc très chères. Mais forcément, on paie la qualité des matériaux, on se fait plaisir avec un bel objet. Donc, une bonne canne. En fait, Y a un aspect sentimental ouais, aussi. Ouais, exactement. Donc, en vrai, pour répondre à vraiment cette question, une bonne canne, c'est celle avec qui vous avez aimé pêcher, que ce soit une canne à 20 euros ou à 500 euros. Ouais, tout à fait. Donc, la bonne canne, c'est ça. Pas mieux. Alors, un petit peu délicat. Oula, tu fais peur. Quel est votre poisson préféré? Oula, bah, c'est vrai, j'avoue, ça c'est une question c'est compliqué. Mais alors moi, plus que le poisson, en fait, je vais plus parler. Ah non, mais non, c'est le poisson. Non, non, c'est le poisson la question. Donc, la truite, voilà. Je l'ai dit. La truite, ouais, parce que j'adore cette pêche de poste. Ça peut se pêcher dans des petites rivières, dans des grandes rivières. C'est toujours de la pêche de spot, ça j'adore en fait. Ouais. Le bon lancer et hop, on a la touche, ça c'est quand même quelque chose. Non, mais on veut savoir le poisson, ouais. Pas la pêche. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime. Bah, la truite, voilà, si vous voulez pas les explications. C'est dur, je dirais, bah évidemment, la truite, c'est évident pour toutes les raisons que Florian a citées. Après, j'ai un faible. J'ai des affinités quand même pour le pêche. Black bass qui m'intrigue et puis. Tes premiers amours. Mon premier amour, c'est la perche. vous l'avez vu, j'adore pêcher la perche. Je la pêche un peu moins en ce moment, mais ouais, la perche, c'est quand même un magnifique poisson. Et on s'amuse tellement facilement avec.
Ouais, j'adore aussi. Moi, je suis embêté parce que je suis très partagé. Moi, je sais la réponse. Bah, ouais, bon, vous avez l'impression, je pense que vous en doutez, mais moi, je suis pas sûr de moi. Ouais. C'est vrai. J'ai envie de dire la carpe, mais comme tu disais, on va le faire douter. J'aime beaucoup les perches, je trouve que c'est un poisson magnifique. Ouais. Je suis pas du tout un spécialiste de cette pêche, mais j'admire le poisson et la truite énormément aussi parce que ben, c'est un peu un poisson majestueux. C'est toute très une beau, histoire ouais. Et ouais, c'est. Non, je respecte c'est les. C'est une question difficile, on a du mal à y répondre. On aime la pêche quoi. Avant tout, je pêche bien plus la carpe qu'autre chose, mais c'est pas forcément le poisson que je préfère pour autant. Okay, c'est pas assez difficile, c'est difficile. Intéressant. Quoi, okay. Ouais. Combien de temps passez-vous pour faire une vidéo? Eh ben, déjà il y a la prise de vue, il y a la réflexion aussi des fois avant la vidéo, ouais. Et il y a le montage, et puis il y a la mise en ligne. Donc il y a plein d'étapes. Ça prend du temps. Une grosse journée. J'ai une question un peu particulière. Enfin, il va falloir que vous répondiez du tac au tac. Quelle est votre leurre préférée, votre coup de cœur? Du tac au tac. Ok. Le Whopper Plopper, je crois que c'était un très bon leurre de cette saison, une bonne découverte. Bah moi le World Spec. Okay. Et toi? Et moi le la bouillette. La bouillette. Voilà, la bouillette. À quand d'autres vidéos de pêche à la carpe? Ben j'ai envie de dire prochainement. Ouais, grave. Très bien prochainement. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Putain, j'ai un doute. J'ai 25 ans. Bah moi j'ai 24 ans mais j'ai bientôt 25 ans là. Êtes-vous déjà tombé dans l'eau? Oh oui, plein de fois ouais. Ouf. Putain, c'est pas possible comme ça glisse. Ça glisse. Moi je crois que je suis jamais tombé dans l'eau. Bon, allez, arrête. Sérieux, c'est impossible. Oh putain, aïe. Ouais, impossible. C'est vrai. Impossible. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre leurre? Souple, crank, spin. Ouais, grave. On y a déjà pensé. Créer ouais des leurres, voire des cannes. Je regarde des personnes en particulier qui sont dans cette pièce que vous pouvez pas voir. Il est dans un pyjama. Ils sont hors cadre. Désolé, je suis obligé de vous le montrer. Ah, regardez-moi ça. Ta 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 ta. Ce sera pas dans la vidéo ça? Non, t'inquiète pas. Pas le genre de la maison. Alors, prochaine question. Flo. Il est déjà mort de rire quand t'as posé ça. Je les découvre en même temps que vous d'ailleurs les questions. Flo, es-tu capable de répondre au FAQ en total look jérémien et vice versa? Chemise bûcheron, etc. La totale. Il fallait le savoir avant ça. C'est vrai, on s'en rend compte. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Celui qui l'a posé. Celui qui a posé, ouais, je suis un peu trop baraqué pour. Peut-être en deux mots une question intéressante, avantages et inconvénients du spinning et casting. En deux mots, peut-être qu'on peut l'avoir. Vas-y, ouais. En deux mots, c'est le. L'avantage du casting, c'est le confort, la précision. L'inconvénient? L'inconvénient, c'est distance de lancer, je dirais. Et sensation, je trouve que les meilleures sensations sur casting. Moi, avantage du spinning. Ouais. Bah, avantage du spinning, distance de lancer, justement. Et moins coûteux par rapport au casting. Et du coup, inconvénient du spinning, si je me réfère au casting. Oui, il pêche en casting, le monsieur. Non, je rigole, c'est une blague, hein. Je vais me faire. Et du coup, non, l'inconvénient, c'est juste qu'il y a peut-être un peu moins de confort de pêche. Les moulinets sont des fois un peu plus lourds. J'aime beaucoup aussi le casting, donc voilà. Mais c'est très bien. Est-ce qu'on peut avoir un autographe de Géramite? Non, c'est magnifique. Quel est ton plus gros poisson? Quel est notre plus gros poisson? Bah moi, étonnamment, c'est un bar que j'avais fait. Chez Ultimate Fishing, on a pêché en mer. Super souvenir. Un super bar, vous pouvez voir la vidéo. Mmh. Franchement, j'étais étonné, j'étais très content. Ça tabasse. Mmh. Vous êtes tapé des bars pour empêcher. Exactement. Joli. Puis j'avais une barre de céréales. Puis après, on a la salle, on a tapé des. Vous avez fini la journée au bar. Et le lendemain matin, t'avais la barre. puis quand on est rentré, il a bien tenu la barre. Hein, pour... Faut arrêter au bout d'un moment. Allez, je me barre.
Et toi, du coup, ton record? Il y a pas longtemps, du coup. J'ai pas l'impression qu'il parlait de record, mais de gros poisson, donc je sais pas comment on peut l'entendre. Moi, ton plus grosse pêche. J'allais dire ma plus grosse carte, mais finalement, quand on parle de plus gros poisson, ce qui me marque, c'est un amour blanc que j'avais fait l'été dernier à la tombée de la nuit. Et alors c'est pas mon plus gros poisson, c'est pas mon record, mais en volume c'est peut-être le plus impressionnant quoi. Voilà, c'est celui-là que je retiens en tout cas. Flo, toi? Le plus gros du coup, c'était avec cette année avec Sébastien Spring. Pareil, dédicace à toi Seb si tu regardes cette vidéo, tu m'as permis de découvrir ton coin et de prendre un super poisson, donc c'était un brochet, voilà. On n'a pas mesuré, mais on l'estimait à 90 cm, donc super moment. Alors, question bien décalée, donc je cite, va-t-il y avoir une nouvelle coupe de cheveux pour cette année? Ah, mais c'est... Ça te va super bien, ouais, franchement, ça te va bien. Mais là, je verrais bien. On se ressemble du coup. FAQ, avez-vous testé les leurres achetées au Japon? Je crois que c'est pour toi, Jérémy. Vite fait. J'ai pas eu le temps de... Avez-vous testé les boîtes achetées au Japon? J'ai rangé toutes mes boîtes, j'ai passé un ou deux jours pour tout trier, j'ai mis des étiquettes avec les numéros des hameçons et tout. Mais les leurres, j'ai pas... en même temps, vu la saison où on est, c'est compliqué. Ouais, c'est terminé là. Ouais, donc la saison prochaine. Question, vous êtes français ou belge? On est belge ou quoi? Non, du tout, on est français, ouais. C'est marrant, on a un accent belge, je sais pas. Quelque chose qui ne comprend pas. C'est les cheveux peut-être. Qui fait les montages? C'est moi du coup. C'est Florian qui fait les montages vidéo. Et qui les fait bien. Oh, merci Florian. Merci les gars. Merci Florian. À défaut de bien pêcher. Ouais, ça c'est pas sympa ça. Putain, le gars. Existe-t-il un lien entre le mystérieux thé abondamment consommé par la team et le foisonnement capillaire de certains? Si oui, ce serait sympa de partager. Bah merde, vous faites des enjeux les gars. Ouais. Enfin, regarde Bouy, là il avait une certaine coupe de cheveux, là il a bu une petite gorgée de thé, une tasse de thé, et c'est reparti. Et puis là, nouveau look pour une nouvelle vie. Il est bien là. Ouais. Là il est bien. Je me sens revivre là, voilà. Les cheveux de. Tu ressembles à Angus Young. À quoi? Angus Young. Je connais pas du tout. Le chanteur, c'est le chanteur d'ACDC. Ah ouais? C'est vrai? Fais pas de bruit avec ton sac plastique. Ah ouais, grave. Ah tiens, question intéressante, d'où vient le nom Fischer? C'est vrai ça? Ouais, c'est intéressant, ouais, du coup ça tombe bien, j'ai le fameux thermos avec le fameux thé, la recette secrète. Fischer, donc fish, comme pêcher, poisson, et cher comme partager, donc en anglais. Donc voilà, le fait de partager nos vidéos, nos récits, donc sur le site internet, et notre philosophie de pêche, un peu notre passion de la pêche. L'esprit voilà. Fischer. L'esprit Fischer, ouais, tout à fait. Et alors pour finir, une dernière question, qu'avez-vous acheté au salon? Eh ben on a rien acheté. Rien du tout. Et en général on n'achète rien au salon, nous on n'est pas trop en mode achat encore une fois. Mais par contre on a eu un super cadeau. C'est clair. Je vais vous chercher ça d'ailleurs. Ouais. Du coup, voici le fameux joli cadeau. Merci à Naoki. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. Naoki c'est une personne de chez Megabass du coup. Qui vient souvent sur le salon, il est japonais et du coup l'année dernière on avait super échangé avec lui, j'avais eu vraiment un bon ressenti avec lui et cette année du coup il est revenu au salon et il nous a contacté juste avant un petit peu le salon pour savoir si on viendrait et on a eu la belle surprise de sa part de déjà d'une super canne donc c'est une Great Hunting, donc c'est un super cadeau et un grand merci. Donc un magnifique objet. C'est magnifique, j'ai hâte de recommencer la pêche de la truite avec un objet comme ça, ça donne envie. Et voilà, et quelques petits leurres, etc. On va tester et que vous verrez sûrement en vidéo. Des leurres, un peu de bagagerie. Ouais. Merci Megabass. Voilà, donc super. Donc Naoki, arigato. Arigato gozaimasu. Voilà. écoute, moi je vous propose qu'on conclue là-dessus, sur cette belle coupe de cheveux de Louis, cette belle canne. Mettez un pouce bleu si vous aimez la nouvelle
coupe de Louis. Franchement, on a un peu la gueule d'un boys band, quoi, comme ça, ouais, j'ai ça l'impression. Ça, ouais. Ouais. Rock and roll. Ça gratte un peu, moi, je suis moins habitué que vous. Hein. Donc voilà, bah, on vous remercie en tout cas pour toutes ces questions. C'est super sympa d'avoir joué le jeu. On a hâte de faire la prochaine FAQ à chaque fois. C'est trop bien d'avoir vos petites questions et d'y répondre. Ouais. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme je disais, le petit pouce bleu pour la coupe de Louis, hein, on vous le dit jamais, mais ça peut nous faire vraiment plaisir. C'est clair. Ça a du bien d'avoir un petit pouce bleu, ça encourage. Ouais. Puis, partagez cette petite vidéo et puis vous abonnez à la chaîne Fischer si ce n'est pas déjà fait. C'est un peu sec. Hein. C'est vrai. Ouais, je vais peut-être aller faire un petit shampoing, moi. Hein. Un shampoing aux œufs. Ouais, c'est ça. Bon, allez, sur ce, à la prochaine. Salut les gars.